Les démons qui sont à la base de chaque maladie. Qu'est-ce que vous me suivez? Souvent, il y a des mamans qui ont des hémorroïdes, mais elles ne peuvent pas aller avec leur homme. C'est pas ça. Chez l'homme, les hémorroïdes viennent s'asseoir sur le nez de ta partie d'homme intime. C'est là qu'elle s'assoit, ou bien elle s'asseye, pour t'empêcher d'accomplir ton devoir conjugal. Mais ça, c'est une demi-mort. Je vous ai dit, j'ai été délivré des hémorroïdes en l'an 2000-2001. Amen. C'était un envoûtement placé contre moi. Alléluia. Ce matin, que tout ce qui est démon, démorie dans toi, soit brisé, délogé. La sorcière qui a mis en toi, à l'instant que l'hémorroïde retourne contre elle, toi-même n'es pas puissant. Alléluia. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les fibromes. Les fibromes sont des maladies d'entrailles. Alléluia. Maladies d'entrailles, la plupart, c'est les femmes qui en souffrent. Je vous disais dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, j'ai écouté le témoignage d'un ancien mystique, un ancien sorcier, pratiquant de vaudou. Il dit comment il faisait pour envoûter les femmes pour avoir les fibromes. Il prend les rayons d'animaux là, il prend ça. Il se met nu à 1h du matin. Et puis il fait des imprécations, des incantations contre les rayons là. Vous voyez que les fibromes ressemblent souvent à des rayons. Donc il fait des incantations, il invoque ton âme. Et puis maintenant, comment que ces rayons a dans tes entrailles? Sous la forme de fibromes. La pauvre femme, elle sort le matin. Voilà, fibromes qui a commencé de manière brusque. Est-ce que je m'en ai même puissant? La plupart des cas de fibromes viennent des pratiques occultes, des pratiques de sorcellerie de famille. Ce matin, tu vas les maudire dans tes entrailles. Oh, je viens d'un homme puissant. Importe à mettre sa passage. Des fibromes. C'est un démon terrible, hein? Des fibromes. Mon corps appartient à Jésus. Qui es-tu? Dis, qui es-tu? Pour habiter dans ma bassesse. Pour respirer dans ma bassesse. J'ordonne ta mort. Fibromes. Dieu broyé. C'est bon. Dieu broyé. Dis tout sorcier. Sorcière. De ma famille. Paternelle. Maternelle, qui est à l'origine des fibromes qui sont dans mon ventre, à l'état même. Toi, sorcière, prends tes fibromes, sors de moi. Dis, sors au nom de Jésus. Impuissant, amen. Il y a ce qu'on appelle aussi un genre de fibrome appelé kyste. Kyste, myome. Et puis souvent, il respire dans la bassesse de la femme. C'est une vie démoniaque. Il faut qu'on le combatte avec autorité. Impuissant, amen. Impuissant, amen. Il faut que ça libère la vie de nos femmes, de nos enfants, de nos filles. Impuissant, amen. Alléluia. Les kystes. Les myomes, ces maladies aussi sont des maladies d'entrailles. Dis à l'instant même, je commande et j'ordonne tout ce qui est myome, kyste, quelle que soit sa nature, son origine, dans mes entrailles, je les brise, je les déracine, je les maudis.
Est-ce que tu peux compter la prière? Tu peux compter la prière? Tu peux compter la prière? Compter la prière, dis miam, fille propre, Christ, sors de moi, dis, sors de moi, dis, sors de moi, dis, sors de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Une autre maladie d'entrailles, inguérissable, dans sous beaucoup de femmes. Alléluia. Les règles douloureuses, j'avais une cousine. Quand elle doit avoir ses règles dans le quartier, tout le monde est en alerte. Tout le quartier sait que elle va avoir ses règles. Ça l'a tué. Quand ça la prend, mais qui était chrétien? Qui connaissait Jésus? Elle va pleurer jusqu'à... Ça l'a tué. Les règles douloureuses, la plupart, c'est les êtres humains logés dans les bassins des femmes ou bien des crabes diaboliques que les sorciers placent dans la bataille des femmes. Donc, avec leurs pinces démoniaques, ils vont commencer à te gratter là. Pour faire quoi? Pour boire ton sang qui va couler en toi. Mais ton sang est le sang de Jésus. Je dis, ton sang est le sang de Jésus. Tout sorcier, sorcière qui buvait ton sang, qui te créait des douleurs de règles, qui buvait ton sang ce matin, j'ordonne sa mort au nom de Jésus. Impose ta main sur ta bassesse. Alléluia. Alléluia. Dis, Satan. Satan. Et tes sorciers de ma famille. Vos règles douloureuses que vous avez semées à moi, je les maudis. Je maudis vos œuvres. Règles douloureuses, démons, esprits, tu es la base des règles douloureuses à moi. Sors! Dis, sors de moi! Dis, sors de moi! Dis, sors de moi! Dis, sors! Vous allez voir tout de suite, les mamans qui ont ce problème-là, ça commence à se manifester partie. Dis démon, esprit de sorcellerie, qui me crée les règles douloureuses, sors. J'envoie le feu contre toi. Sors de ma bassesse, sors de ma bassesse, dis sors de ma bassesse, sors. On peut continuer? On s'assoit. Il y a ce qu'on appelle aussi les boules dans le ventre. Soit ces boules-là, les sorciers placent une poupée dans tes entrailles. Une, c'est un corps étranger, une poupée. Comme la sœur avant-hier, le dimanche passé. Alléluia. Il place une poupée là pour te faire souffrir. Ou bien, il peut placer ce qu'on appelle des canaris mystiques. Ils prennent ta bassesse, tes entrailles, c'est ça qui est leur cuisinière. Est-ce qu'ils suivent, même? Ta bassesse, la nuit, ils prennent ça. Et puis, ils font leur cuisine dedans. Ils préparent leur nourriture. Au moment où ça chauffe là-bas, ils préparent leur nourriture. Ça te fait mal, tu as mal ici. Ce mastin, ce canarif sera brisé en toi, détruit au nom de Jésus. Alléluia. Ou bien carrément, une sorcière vient s'asseoir dans tes entrailles. Elle s'achète royale et puis elle fait ses yeux de ténèbres. Elle règne là pour te faire souffrir la nuit. Ou bien, souvent c'est la chair humaine, il te donne, ça vient s'asseoir dans ton ventre, dans tes entrailles, la chair humaine. Est-ce que tu me suis? Pour te faire souffrir. Tu pleures. Tu ne peux pas aller à ton homme. Est-ce que tu me suis? Tu as peur même d'aller avec lui. Parce qu'il y a une douleur terrible que tu sens. À cause soit du canari qui est placé, ou bien de la chair humaine qui est placée là, ou bien de la poupée qui est placée là. Souvent même c'est les mèches. Vos mèches que vous portez là. Elle prend ça
Elles vont mettre ça dans tes trompes. Elles mettent ça dedans. Les entrailles. Ça te fait très mal. Ce matin, tu vas les ramener ça contre eux. Et si tu demandes même puissant ce matin. Parce que Satan et ses sorciers, ils ne sont pas bien. Dis, vous êtes mauvais. Dis, à l'instant où je parle, toute mèche diabolique, mèche de la sauterie, placée dans mes trompes, dans mes entrailles, dans ma matrice, sors de moi, dis, sors de moi. Allez, prie. Dis, sors, mèche, sors. Chérie même, dis, chérie même, sors de moi, chérie même. Alléluia. On peut continuer. Une autre maladie d'entrailles, il y a ce que les mamans souvent vous appelez les pertes blanches. Ce n'est pas une maladie. Beaucoup de femmes en souffrent. Ce matin, ça va te lâcher au nom de Jésus. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle les arrêts ou les blocages de règles avant la ménopause. J'ai reçu des jeunes femmes, des jeunes filles. Papa, ça fait 5 ans que je ne vois pas mes règles. Je n'ai que 25 ans, 30 ans. C'est normal? Une jeune femme, 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'a plus ses règles, mais elle se voit malheureuse. Elle est malheureuse. C'est pas ça les mamans. Les sorciers vous font ça pour vous faire pleurer. Pour vous enlever la joie de votre féminité. Une fois à Abidjan, une soeur, 5 ans, sans règles. Jésus a débloqué ça devant tout le monde. Un puissant Amen. Ce matin, Jésus peut le faire pour toi. Dis règles bloquées. Il y a des femmes qui ont ce problème-là. Impose ta main sur ta bassesse. Tu crois en Jésus? C'est une question de foi. Dis-toi, démon. Esprit humain de sorcellerie. Toi qui as bloqué mes mastrues. Depuis des mois. Depuis des années, ce matin, ta mission est terminée. Dis, ta mission est terminée. Je te maudis à moi. Sors de ma tête. Dis, je t'arrache mes masseries. Dis, je t'arrache mes masseries. Je t'arrache. Dis, à l'instant même, je débloque mes appareils de reproduction. Je débloque mes masseries à l'instant même. Débloque ça. Attention. Attendez ici. Il y a des mamans, elles pensent pour le moment, elles ont leurs règles là. Satan peut bloquer ça à tout moment. Hein. Donc, il faut prier. Hein. Satan peut bloquer ça à tout moment, hein, les sorciers. Donc, il faut briser ça. Dis, blocage de règles. Ménopause prématurée. Je te maudis dans ma vie. Du sort de moi. Du sort. Allez, prie, vous priez. Je commande à l'instant, j'ordonne. Qu'à l'instant, tes masseries soient débloquées au nom de Jésus. Souvent, c'est une main occulte. Ils envoient une main satanique et ils placent ça dans tes entrailles. Et la main occulte, c'est-à-dire, main occulte, c'est quoi? C'est une main démoniaque. La main, là, c'est coupée ici. C'est ça, là, cette main seulement qui agit contre ta vie, contre tes entrailles. Si cette main est là sur toi à l'instant même, je lui ordonne de libérer ta vie.
Dis main occulte. Dis main occulte. Libère mes entrailles. Dis libère mes entrailles. Dis libère mes entrailles. Sors mes entrailles. On peut continuer. Une autre maladie. Prenez maintenant Lévitique 15, verset 25. Lévitique 15, verset 25. Oui. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux comme au temps de son non-disposition menstruelle. Tu entends ça? C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, il a réglé la femme pour avoir ses règles dans une période bien donnée. C'est pas ça? Mais il dit, si ça va au-delà de la période prescrite, ça va au-delà des jours normaux, c'est qu'il y a un problème. La plupart, les mamans souvent, c'est 4 jours, 5 jours. Mais quand ça va 6e jour, 7e jour, 8e jour, 9e jour, 10e jour, maman devient malade. Vous vous inquiétez, non? Vous vous inquiétez. C'est, ça veut dire, si Dieu a parlé, ça veut dire que c'est un démon. C'est un démon qui a la base. Il y a des gens qui disent, je ne crois pas aux sorciers. Celui qui dit qu'il ne croit pas en la sorcellerie, c'est que lui-même, il est déjà envoûté par les sorciers. C'est, il est là, il est sous l'emprise d'un sorcier. Qui me suit? Écoute-moi très bien. Alléluia. Cette maladie-là, Jésus est mort à la croix pour te délivrer de ça. Amen. Qui croit en ça ce matin? On peut continuer? Mon frère, ma soeur, ces maladies, devant la médecine, c'est incurable. Elles sont incurables. Mais Jésus est puissant pour guérir cette maladie. Donc, pourquoi les sorciers, ils déprogramment tes jours de règles? C'est-à-dire, quand tes jours de règles se prolongent, le sang superflu là, et ils boivent ça. C'est leur boisson. Et ils prennent la force pour t'attaquer. Est-ce qu'ils comprennent, les chrétiens? Maman, ton sang est le sang de Jésus, non? Donc, à partir d'aujourd'hui, tout sorcier qui veut boire tes mastrues là, c'est le sang du Christ qu'il va boire. Et il va mourir sur place au nom de Jésus. Dis, je commande et j'ordonne. Que tout démon, tous êtres humains, d'un sorcier qui a la base du dysfonctionnement de mes règles, de la déprogrammation de mes règles, ce matin, je maudis le démon, je maudis l'esprit humain. Toi qui prolonges mes jours de règles, je... Prie, il faut le chasser, il faut prier, il faut le prier, il faut le déranger. Dis, sors-de-moi, dis, sors-de-moi. Dis, sors de ma vie. Sors de la vie de ma soeur. Alléluia. Regardez ici. Satan a déprogrammé comme ça les règles d'une femme dans la Bible. Dans Marc 5, verset 25 à 34, je pense. La Bible, cette femme avait ses règles pendant 12 ans. 12 ans de règles. C'est pas la mort, ça. C'est pas la mort. Satan prolongeait ses jours de règles pendant 12 ans. La Bible dit, elle a dépensé tout son argent chez les féticheurs, chez les médecins. Satan l'a rendue pauvre. Qui me suit? Ce matin où tu es assise là, le diable avait prolongé tes jours de règles. Le Dieu qui a sauvé cette femme dans la Bible là, il est encore vivant. Et il est vivant pour l'éternité. Amen. Un puissant amen. Ce matin, il tend sa main vers toi. Il touche ta bassesse.
et à l'instant même, tes règles deviennent normales. Bien puissant, amen. Tes règles deviennent normales au nom de Jésus. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle les hernies étranglées. On a parlé de ça, non? Il y a des frères, souvent, on les opère à cause de ça. Toi, on ne va pas t'opérer. Ce matin, Jésus va t'opérer. Il enlève les hernies dans tes entrailles au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Il y a aussi une maladie d'entrailles inguérissable. C'est l'impuissance sexuelle. Bon, il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Amen. Mais la partie intime de l'homme fait partie de ses entrailles. N'est-ce pas? Qu'est-ce que les sorciers vont faire? J'ai reçu un assisteur. Ils sont venus me voir un jour, lui et sa femme. Il dit, ah, pasteur, ça fait près de 1 an, 2 ans, je ne vais pas avec ma femme. Le moteur ne démarre pas. L'essence est épuisée. J'ai cherché l'essence partout, dans toute la côte, il n'y a pas d'essence. Il est allé à Paris, il n'a pas eu d'essence. Au stade, on dit, il n'y a pas d'essence pour toi. Impuissant, amen. Donc, au cours d'une prière, il est tombé. L'esprit humain dit, l'esprit humain de sa propre mère, qui a pris sa partie intime pour aller accrocher dans leur couvent. Est-ce que tu me suis? Pour ne pas qu'il aille avec sa propre femme. Une mère, tu as eu ton mari, tu as fait tes enfants. Tu ne veux pas que ta camarade ici ait ton fils. Pourquoi? Dis, pourquoi? Il y a des frères qui en souffrent. Mais il y a des pasteurs qui en souffrent. Impuissant, amen. Il y en a qui ont honte de dire ça. Est-ce qu'il y a honte dans ça là? Il y a honte dans ça là? Dis ça, dis ça! Et des sorciers! Je vous arrête ma partie intime! Je vous arrache ma partie intime. Allez, arrache. Dis, arrache, 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 arrache. Impuissant, amen. Une année, il y a un jeune homme qui est venu au bon prier. Le Seigneur m'a révélé que le petit, le jeune homme là, son papa, ça ne fonctionne pas. Il est tombé. Ouah! Ouah! J'ai voulu sur le champ. J'ai dit, mon petit, envoyez-le. Donc, sur le champ, papa a commencé. Impuissant, amen. Donc, j'ai dit, semblez, viens. Donc, il est en train de cacher. Sur le champ, impuissant, amen. J'ai dit, papa, moteur est debout. Impuissant, amen. Il est venu devant tout le monde. Il dit, c'est à cause de ça que je suis venu au ciel. J'avais ce problème. Je suis passé partout, pas de solution. Dis Satan, dis Satan, et tes sorciers, je vous arrache mes appareils de reproduction. Dis prostate, je te maudis à moi. Cancer de la prostate, cancer du thorax, je te maudis au nom de Jésus. Tant que les maladies ne sont pas dévoilées, on va beau prier. Alléluia. Il y a encore d'autres maladies qu'on appelle les maladies vénériennes. MST. Prenez Lévitique, chapitre 15, verset 1 à 3. Et puis 2 Samuel 3, verset 29. Lévitique 15, verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, oui, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. Tu entends ça? Tu entends ça? C'est pas dans la Bible? La gonorrhée, c'est une maladie diabolique. C'est une maladie démoniaque. C'est quoi? Beaucoup, quand ça te prend, ça te fait souffrir. Impuissant, amen. Ce matin, on va maudire ça. Il y en a, on les envoûte, elles, ça. On envoûte certaines jeunes femmes.
pour que quelqu'un va avec un homme, que l'homme prend ça, il abandonne. Et ça, tu me suis. Deuxième 3, 29. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y a toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Tu entends ça? Voilà, lis ça dans ma version là, il faut lire ça. Que ce sang retombe sur Joab, oui, et sur toute sa famille. Oui. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la famille de Joab qui soit atteint de gonorrhée ou de lèpre. Est-ce que tu entends ça même? Ça dit, voici le roi David qui maudit un certain Joab. Il dit, il faut toujours qu'il ait dans la famille de Joab, dans sa descendance, quelqu'un qui ait toujours la gonorrhée. Ouais, ça veut dire quoi? On peut prononcer des malédictions de gonorrhée sur ta vie. La sorcière, ta femme, ta tante là qui est contre toi, elle va dans le coin des sorciers, va prendre des malédictions contre toi. Alléluia! Pour que tu sois toujours atteinte de maladies de ventre, de gonorrhée, de fibromes. Mais ce matin, tu vas lui ramener ça.